Mes chers amis, la croix est une école. Que vous passiez devant un crucifix, une croix, un calvaire, distrait ou indifférent, cela est inadmissible pour un chrétien. Quand on sait que le crucifix est pour nous un souvenir, un enseignement, une consolation. Mes amis, permettez-moi de vous rappeler ce que doit être pour chacun de nous le souvenir de la mort du Christ sur la croix. Ce Jésus que Marie a accompagné sur le chemin du Golgotha, jusque sur le Golgotha. Mes amis, à la vue de tant de chrétiens qui refusent d'honorer la croix de notre Seigneur, à la vue de tant de calvaires qui se trouvent sur nos routes, à la croisée des chemins, dans un tel état d'abandon, à la vue de tant d'images, d'émissions de télévision, de radio ou sur Internet qui ridiculisent le signe sacré de la croix. À la vue de tant de prêtres qui n'osent plus prêcher Jésus et Jésus crucifié, il m'a semblé important de vous parler aujourd'hui du Saint Crucifix. Mes chers amis, à voir le Christ en croix, on se rappelle ses souffrances. Il a été insulté, souffleté, flagellé, couronné d'épines, dépouillé de ses vêtements, cloué sur la croix, maudit, banni, chassé, incompris, jugé sévèrement par tous, même après sa mort. Et pourtant, avant de rendre son âme à son Père, il a songé à tous les hommes en général, et à nous en particulier. Et ce n'est qu'après nous avoir pardonné, béni, qu'il a poussé ce dernier cri. Tout est consommé. Le cœur transpercé par la lance du soldat, Jésus, notre Seigneur, a voulu donner son sang jusqu'à la dernière goutte pour la rédemption du monde. Mes chers amis, que de souvenirs touchants sont évoqués par la seule vue du crucifix. Et combien la vue du crucifix doit nous inviter à aimer chaque jour davantage notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique sauveur des hommes, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, deuxième personne de l'adorable Trinité. Mes amis, comme l'a écrit saint Augustin, la croix est une école. Il est vrai que le crucifix nous enseigne. Il nous fait comprendre la malice du péché. Que ceux qui prétendent que le péché n'est pas un grand mal, regardent le crucifix. C'est le péché qui a cloué Jésus sur la croix. Le crucifix nous fait comprendre le prix de notre âme. Comment ne pas estimer le prix de notre âme puisqu'elle a coûté le sang du Christ, le sang de Dieu. Le crucifix, mes amis, nous fait comprendre l'amour infini de Jésus pour nous tous. Mes chers amis, en un mot, un geste, un simple désir aurait suffi à notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver le monde. Il a voulu que ses souffrances soient immenses et sa mort ignominieuse pour mieux nous prouver son amour. Mes amis, la vie n'est qu'une suite d'épreuves. Mais au lieu de gémir inutilement comme les païens, levons nos regards vers le crucifix. Il nous consolera et nous encouragera dans nos misères. Mes amis, vous vous plaignez d'être pauvre? Le Christ n'est-il pas nu sur la croix? Vous vous plaignez d'être humilié, persécuté, incompris? L'êtes-vous autant que lui? Vous plaignez de souffrir, osez-vous, mes chers amis, comparer votre souffrance aux siennes? Vous vous plaignez d'être victime de l'injustice des hommes? Ne l'est-il donc pas, lui, le juste par excellence? Vous voulez l'aimer, mais vous tremblez à la pensée de vos péchés, de vos nombreux péchés. Ne voyez-vous pas que le divin crucifié du haut de sa croix qui vous ouvre les bras pour vous montrer qu'il est prêt à pardonner. Mes chers amis, saint Bernard appelait le crucifix le meilleur des livres. Aimons donc à le lire
et à le méditer. Nous serons étonnés de tout ce qu'il nous apprendra. Mais n'oublions pas qu'auprès de la croix se trouve toujours Marie, la mère du très saint Rédempteur, toujours prête à nous guider vers son divin Fils, le Sauveur des hommes. Dieu veuille, mes amis, que vous ne soyez plus indifférents devant l'image du divin crucifié. Dieu veuille vous accorder la grâce immense d'une bonne et paisible mort. Dieu veille qu'en mourant, vous puissiez serrer sur votre cœur votre crucifix, image très sainte de votre Rédempteur, tout en disant du fond de votre cœur, « Ô Christ, nous vous adorons et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. » Et implorons de cette Mère bénie qui se trouva au pied de la croix, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.